français, écoutez, c'était merveilleux parce qu'il y a une espèce de camaraderie, mais il y a une différence d'âge. J'ai rencontré quand j'ai pris la division, je ne connaissais pas du tout. Sauf déjà, il était sympa, il venait, il me retrouvait, il avait bien, etc., etc. Bon, ben non, on l'avait rencontré parce que un beau jour, non, mais il y a un truc chelou, c'est qu'on essayait, on avait quand même assez rapidement une espèce de complicité. Quand par exemple on a fait défiler le fusil marin, quand il y avait le matériel au complet, en présence du chef d'état-major de la marine, qui s'appelait l'amiral Le Meunier, dit le petit Bénière, qui avait été choisi parce que c'est le moins compromis, n'est-ce pas, avec Vichy, il y avait le brave Jacquinot qui était là, et donc brossait. Le char était un ordre parfait, le matériel tout neuf, c'est ravissant, c'est très bien. Et puis Jacquinot voulait prononcer un petit laïus, et finalement, un mieux d'un ville et tout. Lui, une ficelle incroyable, un mieux, hein. Tellement qu'une volonté, une ficelle incroyable. Mais le directeur, c'est beaucoup mieux, c'est que vous prononciez l'appel à la radio pendant que les chars défilent. La radio était coupée, bien entendu. Et les chars défilaient à l'intérieur sur la musique interne. Comment ça fait je suis épine pour un épice, pour un épice. Si quelqu'un avait entendu ça, c'était souvent capable de chanter ça, etc. Puis, on fait la cérémonie, j'avais la main bandée. Bon, c'est dit, qu'est-ce que vous avez? J'y vois, dis rien, je ne vais pas saluer ces zèbres-là. C'est pas vrai. Que je ne voulais pas serrer la main du chef d'état-major de la marine. Après quoi, je vous donne un drapeau, je dis que c'est pas convenable, vous donner un drapeau de foire, des tas de trucs. Je dis, on va brûler le drapeau. Il y aura une correspondance entre le général qui succède à Brosset, Garbet, qui dira que le drapeau n'était pas à leur gré, donc ils l'ont brûlé. Donc quand même, je sais l'horreur que peut vous causer le fait de ne pas respecter les emblèmes nationaux, c'est pas vrai, de Gaulle a mis à travers le problème de la funéraille pour y donner l'exemple. Donc, pas de changement de drapeau. On avait dit pour camp, pour le laurier, un truc comme ça, on avait dit pour des sages, c'est très bien. Bon, c'est ça, l'abusé, beaucoup ça.